d'avoir fait le marché. Elle, la dernière. Bonjour à toutes et à tous. La question qui était posée au public, de savoir qu'est-ce qui était vert qui circulait pour la première fois en France, on a eu des réponses assez rigolotes. Hulk, le géant vert, etc. En réalité, les montants ont beaucoup d'humour, mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de Hulk, mais bien de la première navette. La première navette urbaine est gratuite, verte parce qu'elle fonctionne au gaz naturel, verte parce qu'elle est plus propre, plus silencieuse. Monsieur Dayou, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Mont-de-Marsan Agglo a choisi d'équiper sa navette au cœur de ville au bio-GNV ? C'est une volonté que nous avons de pouvoir travailler sur la transition écologique. La navette, ça fait partie d'une des briques de cette politique-là. C'est quelque chose qui a été préparé puisque nous avions déjà une station au GNV qui est à Saint-Pierre-du-Mont qui permettra d'ailleurs d'alimenter cette navette qui roulera gratuitement. Et puis c'est une façon aussi de pouvoir, dans ce centre-ville, disposer d'un mode de transport non polluant, ce qui permet d'avoir bien évidemment une qualité de transport importante sur le centre-ville. Mais le volet transition et développement durable chez nous ne se limite pas uniquement à la navette de centre-ville, il y a bien d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Cette navette au GNV, au bio-GNV, elle pollue moins, donc elle rejette moins de CO2, moins de NOx, donc les particules fines. On n'a pas de vapeur derrière le bus. Et elle est beaucoup plus silencieuse qu'un véhicule diesel. Elle se recharge au garage Chortineau à la Théoulère, donc qui est un projet agglomération aussi, tous les soirs à la fin du service. L'autonomie de ce véhicule est de 230-250 km à peu près, donc ce qui est largement suffisant pour tourner toute une journée. Et elle consomme à peu près 18,7 kg au 100 km, donc les kilos c'est l'équivalent des litres de diesel. Du coup, il y a des différences pour l'usager ? Pour l'usager, non, pas de différence. Il bénéficie exactement du même service qu'avant, simplement il roule vert. Est-ce qu'il est prévu d'équiper d'autres véhicules du réseau TEMA en bio-GNV ? Alors ça rentre dans une réflexion que nous avons avec Transdev, notre partenaire. Mais bien évidemment que c'est dans l'air du temps, il faut qu'on aille vers ça. Tout ça s'inscrit dans une stratégie globale. La pollution de l'eau, la qualité de l'eau avec notre régie intercommunale. Bientôt une station d'épuration dernier cri va voir le jour. C'est justement pour que cette eau soit de meilleure qualité, mieux assainie. Mais paradoxalement, c'est aussi la méthanisation des rejets de cette station qui va servir à alimenter cette navette. Vous voyez, donc c'est quelque chose de circulaire. Et donc c'est aussi la pollution visuelle. Nous travaillons en ce moment avec Marie-Christine Bourdieu à diminuer le nombre de panneaux de 4x3 que nous avons de publicité pour limiter l'agression visuelle que peuvent avoir ces panneaux. Et puis plus récemment, c'est des efforts faits sur la biodiversité. On vient de l'ensemble des maires vient d'acter un soutien important sur 3 ans au centre de biodiversité de Puy-de-Sauge, en Rostand. Donc c'est aussi un marqueur fort pour nous. Donc tous les pans de la transition et du développement durable sont là. On développe aussi de plus en plus des stratégies sur le vélo. On rentre dans un plan vélo pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des itinéraires doux, alternatifs. On ne pourra pas faire des pistes cyclables partout. Par contre, on pourra trouver des cheminements qui permettent d'être moins accidentogènes et connecter les poumons verts entre eux ou l'extérieur avec le centre-ville. C'est par exemple l'aire de covoiturage que nous avons mis en œuvre, là il n'y a pas si longtemps que ça, à Gaillères, de façon à ce que les gens puissent un peu plus covoiturer. Ça fait des économies pour eux, ça fait des économies d'énergie, d'émissions, puis ça renforce aussi le lien social. Voilà, c'est pousser tous ces dispositifs alternatifs pour essayer d'avancer, d'avoir de plus en plus à ce que la voiture reste un peu au garage. Okay.